Bonjour Adrien, ça fait plusieurs années que tu es élève de Valérie Tardy et que tu fais du développement personnel avec elle. Et tu as choisi de t'inscrire cette année à la retraite chamanique qui aura lieu fin mars. Est-ce que tu peux nous dire déjà ce que tu aimes dans les stages longs? Déjà dans les stages longs, j'aime le fait que ça soit long, d'une part. D'autre part, j'aime le cadre. L'endroit où on les fait, pour l'instant, c'est toujours au Revel, c'est dans les Cévennes, c'est un cadre magnifique. La bouffe est super bonne, donc ça fait plaisir aussi. Ça participe à la guérison, enfin, en tout cas au travail quand même. Voilà, déjà ça, j'apprécie beaucoup. L'ambiance est bien, et, enfin, toujours bien, toujours très détendue, très bien, même si on travaille, si on fait des choses des fois pas forcément très agréables, mais bon, c'est quand même bien, on est bien encadré. Et j'aime aussi le fait qu'on puisse travailler sur un sujet et l'approfondir vraiment longtemps, puisque là c'est sur 5 jours, comme pour les séminaires. Séminaires, on ne travaille pas sur un point de vue, sur un point, mais on fait, ça dure longtemps, donc on touche plusieurs choses et tout, donc là c'est bien, quoi. Qu'est-ce que tu voulais dire sur le fait que c'est pas forcément toujours agréable? Ben, on va toucher notre programme, donc forcément, tout n'est pas toujours très agréable dans le programme, quoi. On va voir notre souffrance, on va voir des choses qui, voilà, qui ça remue, quoi. Donc forcément, des fois, c'est pas toujours youpi la joie, mais on en sort toujours mieux de toute manière. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est bien, c'est que derrière, une fois que c'est fini, ben, on est mieux toujours mieux qu'à l'arrivée. Voilà. Ok, et du coup, est-ce que tu peux nous dire pourquoi en particulier, tu souhaitais faire cette retraite? Qu'est-ce que tu trouves que la retraite apporte que d'autres stages n'apportent pas, par exemple? Comment ça se passe? Enfin, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus concrètement? Oui, bien sûr. La retraite, moi, ce qui m'a plu, j'en ai fait qu'une, mais j'étais très content de faire ça. C'est que, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'on prend un sujet et on va à fond et on a 5 jours pour travailler dessus. Donc déjà, on va bien au fond des choses. Ensuite, on a des exercices assez concrets par rapport au sujet demandé. Moi, j'ai fait la retraite sur le sentir. On a fait des marches de pleine conscience pour sentir ce qui se passait autour de nous. On avait des exercices de sentir dehors, où on devait sentir telle chose, sentir un arbre, enfin, sentir, voilà, où on était dans l'espace, sentir le nord, enfin, voilà. C'est des choses qui sont intéressantes. Ça permet de, c'est une autre manière de travailler aussi. Ça donne des exercices. Je trouve que c'est une autre manière de travailler. Après, on a des questions aussi auxquelles on doit répondre en petit groupe. Et on répond après en grand groupe avec l'enseignement de Valérie. Mais c'est pas la même chose. On fait pas ça ni en stage ni en séminaire. Donc c'est une autre manière de travailler. Ok, et qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi qu'on peut retrouver en séminaire aussi? Alors, ce qu'on peut retrouver en séminaire, la durée, 5 jours. Sur la retraite, sur le sentir, on avait fait quelques soins. Je ne sais pas si on en fera là, mais on avait fait quelques soins pour certaines personnes. Donc voilà, c'est la même chose qu'on fait en séminaire. Après, il y a les enseignements de Valérie. Il y a le partage en grand groupe en début. Voilà, ça c'est les choses qui se ressemblent par rapport au séminaire. Et toi, si tu pouvais nous dire ce que tu préfères là-dedans, par exemple quand tu te réfères à la retraite sur le sentir que tu avais faite, qu'est-ce que tu avais vraiment kiffé là-dedans? Moi, ce que j'avais kiffé, c'était le fait de faire des exercices, le fait d'aller au fond du sujet et par notre manière, c'est-à-dire faire des exercices ludiques entre guillemets, mais en tout cas des exercices pratiques par rapport au sujet. Voilà. Donc là, sur ce sujet-là, je ne sais pas si ce qu'on va devoir lâcher, mais en tout cas, voilà, ce que j'avais aimé, c'est que c'est ça, c'est qu'il y a des exercices pratiques, vraiment directs. C'est-à-dire là, le sentir, il fallait aller sentir le nord, savoir où était le nord sans qu'on ait de boussole, quoi. Sentir en nous, ça, voilà, il y avait des exercices comme ça, aller sentir la vie autour de nous, la marche de pleine conscience, par exemple, les yeux fermés, on sentait, voilà, enfin, il y avait des ou en silence, enfin, c'était des choses, voilà, je trouve, très concrètes et qui se rapportent au sujet, quoi. Donc c'est ça qui m'avait plu, puisque on fait pas ça ni en stage ni en séminaire. Donc voilà, c'est une nouvelle manière de travailler, une autre manière de travailler, pas une nouvelle mais une autre manière de travailler. Ok.
Bah, je sais pas, t'aurais une dernière chose à ajouter sur la retraite chamanique? J'espère vous voir nombreux, qu'on soit nombreux, c'est bien, venez. Merci Adrien. Avec plaisir.